cette 9e journée des soins palliatifs, de ce thème si important. Les soins palliatifs, on ne sait pas toujours ce que c'est. C'est le fait d'accompagner une personne en fin de vie pour qu'elle ait la meilleure qualité de vie possible. J'aimerais, dans le cadre de cette journée, féliciter l'ensemble des acteurs qui se trouvent ici, avec moi, à savoir les membres des plateformes, les trois plateformes éliminaires, Charleroi, Montgrinage, Centre, qui tournait, voilà, je voudrais féliciter ces acteurs de terrain. On a eu l'occasion de discuter ensemble une partie de cet après-midi. J'ai pu voir à quel point ils sont confrontés à des difficultés, et donc c'est clair, au niveau du gouvernement wallon, puisque aujourd'hui je remplace la ministre Éliane Thilieu, ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Égalité des chances au niveau wallon, qui a continué sur la lancée du gouvernement précédent dans le cadre du plan wallon pour les soins palliatifs, à aider le secteur au maximum, notamment en ce qui concerne les formations, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de temps mi-temps ou temps plein pour de la coordination et des psychologues. Donc voilà, en cette 9e journée mondiale des soins palliatifs, je voudrais encore les saluer bien fort, tous ces acteurs de terrain, dire à quel point je suis fière du travail réalisé pour l'ensemble de la société, et vous proposer un lâcher de ballon dans le ciel, mais je vais avoir besoin de votre aide. Il va falloir compter tous ensemble. Vous êtes d'accord? J'entends pas assez, vous êtes d'accord?